J'ai assez de soucis comme ça. J'ai pas envie de vous parler. Belgevure m'a demandé de vous remettre cette potion de soin. Ah, oh, merci. La fameuse solidarité des réfugiés, c'est ça? Alors attendez, je la vois moi cette liste, parce que j'ai bien... Elias, c'est fait. Faut que je trouve Cole, Finn, Josh et Martha. Ok. Bon, c'est déjà où est Martha. Laissez-moi dormir. Maître Belgevure m'a dit de vous apporter cette potion. Merci. Enfin quelqu'un qui se soucie de Martha. Mais j'ai bien peur que les potions de soins de Maître Belgevure à elles seules ne suffiront pas. Nous devons trouver un toit. Vivre dans la rue, c'est ça qui la tue. Elle a besoin d'un endroit où vivre, un abri. Je trouverai un lit pour votre femme. Ce serait merveilleux si vous y parveniez. Je vous en supplie, faites de votre mieux. Allez. Ok, donc Martha et Elias, c'est fait. Il faut maintenant que je trouve Finn. Je sais qu'on l'avait vu tout à l'heure. Cherchons-le. Et n'oublions pas Cole aussi. Il faut trouver Cole. Pas où est-ce qu'il est. Il doit être bien quelque part. Ça vous dirait d'acquérir une poissonnerie? Non, merci. Je suis fermier, moi. Je saurais même pas faire la différence entre une morue et un thon. Par contre, vous trouverez certainement preneur du côté du port. J'ai une potion de soin pour vous, de la part de Belgevure. Merci. J'en aurais bien besoin. Bon, j'ai fait un misclic, mais ce misclic, au final, n'était pas si mauvais que ça. Tiens, je t'avais jamais vu avant, toi. Un conseil, t'aventures pas hors des tréfonds si tu tiens la vie. Vous appartenez à la milice de la ville. Dans le mille, et ça veut dire qu'ici, la loi, c'est moi. Alors reste dans les tréfonds et tout ira bien pour toi. Pourquoi n'y a-t-il que si peu de gardes par ici? On est la première ligne de défense de la ville. C'est nous qui sommes allés au casse-pipe quand ces ruines sont sorties de terre. La plupart d'entre nous ne s'en est pas sortis. Quant aux survivants, ils sont revenus dans un sale état. C'était avant que Mendoza et ses hommes débarquent. Maintenant, ce sont eux qui vont dans les ruines. Et si tu veux mon avis, c'est très bien comme ça. Pouvez-vous m'entraîner? Pourquoi pas? Ça me détendrait un peu. Par contre, va falloir mettre la main à la poche. Mais j'ai déjà tout l'entraînement qui me prêterait. Ah, voici Josh. Un client! Bienvenue chez nous. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai une potion de soin à vous donner de la part de Maître Belgevure. Merci. Un verre. Ça va de soi. Je vais lui prendre que la moitié. 6 de rhum. 6 bières. Et 3 trucs d'eau. Et je paye cash. Et c'est moi qui remplace Delgado. C'est moi qui remplace Delgado. D'accord, très bien. Tenez, je vous offre une bière. Non, merci. Eh bien, moi je vais quand même m'en jeter un. Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je viens récupérer l'or, celui que vous devez à Delgado. Ah, c'est donc ça. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est vraiment ce que vous voulez, j'ai pas trop le choix. 100 pièces d'or, comme d'habitude. Mais il y a un mais, c'est ça? Évidemment, vous pouvez pas savoir, mais il se trouve que Delgado et moi avions un petit arrangement. Continuez. Disons que je payais mes dettes en nature. Enfin, façon de parler. Comment ça? Je tendais l'oreille et tenais Delgado informé des bons coups. En échange, il me dispensait de payer. Bien sûr, il avait droit à de la bière à volonté.
Des tuyaux et de la bière à volonté? Ça me plaît bien. Si ça vous va, ça me va. Les affaires ne vont pas fort en ce moment, et rassembler cet or ne serait pas évident pour moi. Voici votre bière. Vous n'avez pas un petit tuyau à me servir avec? Des nouvelles? Et comment? Vous connaissez Jack, le gardien du phare? Il est passé la semaine dernière, rond comme une queue de pelle. Et? Il a pas arrêté de raconter que c'était son jour de chance, et qu'il avait trouvé un anneau d'une grande valeur. Et? Je sais où Jack garde la clé de son coffre. Je mettrai ma main à couper que c'est là qu'il y cache cet anneau. Où se trouve la clé du coffre de Jack? Il n'y a que deux pièces dans son phare. Le coffre est à l'étage. Jack, lui, vit au rez-de-chaussée. La clé se trouve justement au rez-de-chaussée. Il l'accroche toujours derrière l'une des colonnes. Dans un coin, au fond. Là où sont entreposés les tonneaux. Eh, vous êtes nouveau en ville? L'or brûle vos poches? Vous cherchez un artefact de valeur sur... le marché? Mais oui, bien sûr. Et vous avez de la chance d'être tombé sur moi. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Qui êtes-vous? Je m'appelle Bart. J'acquiers des objets rares et de valeur. Je suis un chasseur de trésors, en somme. Tout comme mes frères. C'est une vocation familiale, si vous voulez. Vous travaillez donc en équipe? Tout juste. Ulf, Dittar et votre serviteur. Nous sommes triplés. Merci pour la mise en garde. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Plus rien n'entre ou ne sort de Port Faranga. Mais il faut bien que les gens trouvent un moyen de survivre. Et ces moyens... Disons que c'est pas le genre de choses dont vous parleriez à votre mère dans une lettre. Ulf est parti chercher du travail, le temps que la situation s'améliore. Moi, tout ce que je veux, c'est retourner dans ces ruines. C'est une vraie mine d'or pour les chasseurs de trésors. Donc, vous et vos frères faites route séparément? C'est plus facile de trouver du travail comme ça. Mais j'ai pas vu Dittar depuis des jours. J'ai ouï dire qu'Ulf était retenu prisonnier dans le quartier marchand. Je sais pas si c'est vrai. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Bah, si c'est vrai, il pourra s'en sortir tout seul. C'est le plus coriace de nous trois. Je vais voir si je peux aider Ulf. Il peut s'en sortir tout seul. Mais si c'est sur votre route, un coup de pouce peut pas faire de mal. Quel genre d'artefact vendez-vous? Une espèce de grosse coupe d'or. Si vous avez besoin d'un récipient en or, elle est à vous pour 150 pièces d'or. Je prends. Très bien, je prends. Et voilà! C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ne la montrez pas à n'importe qui. L'Inquisition et les hommes du Don adoreraient la voir. Mais je les soupçonne de vouloir me flanquer une rossée une fois qu'ils auront mis la main dessus. Ouais, c'est ça. Les trois frères ont donc de chacun une coupe d'or, j'imagine. À nous de faire preuve d'intelligence pour réussir à choper tout ce qu'il nous faut à ce niveau-là. Alors attendez, j'ai besoin de ma liste. Alors, Elias c'est fait, Finn c'est fait, Josh c'est fait, il me manque Cole. Où est-ce qu'il est passé ce Cole? Sid. Salut, on m'appelle Sid. J'espère que t'es pas l'un des sous-fifres sans cervelle de l'Inquisition. Que savez-vous sur l'Ordre? L'Ordre nous parque comme des bêtes dans l'enceinte de la ville. Il envoie des hommes au monastère. Rodriguez, par exemple. Un type bien, sur qui on pouvait compter. Ils lui ont fait quelque chose au monastère. Ils lui ont mis le grappin dessus. Et maintenant, c'est une marionnette de l'Inquisiteur. C'est mal de manipuler l'esprit des gens comme ils le font. Qui était Rodriguez? C'était un voleur honnête. Droit. Une vraie perle. Puis, ils l'ont pincé dehors, en train de faire son beurre. Ils l'ont embarqué aussi sec et ils l'ont transformé. Maintenant, le pauvre type monte la garde pour l'Ordre à l'abattoir, près des quais. Je peux vous aider? C'est Rodriguez. Il en a après moi. Il fait partie de l'Ordre. Toi et moi, on est dans le même bateau. Tu me dois bien une fleur. Découvre ce qu'il compte faire et reviens me voir. Ok. Et je préviens Delgado que... le petit arrangement s'est terminé d'une certaine manière. Sérieux, faut trouver ce col. C'est la carte, n'est-ce pas? Ouais, alors, ça doit être la souricière. Ça doit être donc le port, et ça doit être le quartier marchand. Très bien. Juste que je trouve ce fameux col.
Salut, beau gosse. Je t'avais jamais vu par ici. Je suis nouveau. Comment es-tu entré dans Port Faranga? Presque plus rien n'entre ou sort de cette ville. Enfin, pas officiellement en tout cas. J'ai cherché un moyen et je l'ai trouvé. Plein de ressources, hein? Ça me plaît. C'est bon à savoir. Et qu'est-ce que vous faites dans les parages? Je suis la compagne de Sid. C'est l'un des hommes du Don. Voyez-vous ça? Ne va pas le prendre pour un marsouille. Mon Sid, il est malin, il est fort et il sait ce que veulent les dames. C'est-à-dire? Le confort matériel, dirons-nous. L'autre jour, par exemple, mon Sidoné m'a offert une bague magnifique. Je pourrais voir cette bague? Non, Sid n'est pas une brute, mais toi, tu pourrais en être une. Tu pourrais me trancher la main. Oubliez-moi une minute. Dites-donc, vous êtes dans un état, vous? Vous avez traversé la mer à la nage ou quoi? Je suis naufragé. J'ai échoué ici. Et vous? Je suis marin. Enfin, j'étais marin. Avec la tempête, il n'y a plus rien à faire au port. Et j'ai quitté mon travail chez Patty. Vous travaillez pour Patty? Je travaillais. Je servais la bière. Mais il n'y a plus grand monde d'assez riche pour se payer une bière maintenant. Donc, on n'avait plus besoin de moi. Heureusement, elle m'a pas encore demandé de rendre ma couchette. Si vous cherchez du travail, vous n'en trouverez guère par ici. Que se passe-t-il au port? Ah, pas lourd. Depuis que les bateaux ont cessé d'y faire escale, c'est Carrasco qui commande. Il gère l'entrepôt pour le compte de l'ordre. Et il paie très mal. Vassili a obtenu un travail grâce à Lucor. Il est possible que ce dernier ait du travail à proposer, mais vous laissez pas embobiner. Lucor est un vrai filou. Ça ne m'intéresse pas. On sent bien une taverne. Hé, hey, c'est la bourgeoise qui vous envoie. J'en sais rien. Peut-être. C'est le piège, c'est le piège! Je me suis fait avoir. Soyons du côté de la femme. Effectivement! Effectivement. Dites-lui que je rentrerai quand j'aurai trouvé de l'or. Seriez-vous en train de vous cacher de votre femme? Plus de vaches, plus de récoltes, plus de fermes. Et des créatures partout avec ça. Elle me met tout ça sur le dos. Je suis venu ici trouver du travail. Et Carrasco veut même pas m'employer à trimballer ses caisses. Parce qu'il trouve que vous buvez trop? Non, ça n'a rien à voir. Vous en êtes bien sûr? Vous êtes qui? Un missionnaire? Moi, je trouve mon salut dans la boisson. Allez donc casser les pieds de quelqu'un d'autre. Lucor, tiens. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous avez jamais vu de pêcheur ou quoi? Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Laissez-moi donc picoler en paix. Ou alors ramenez-moi du rhum. Vous auriez pas un peu de rhum? Je vous ai apporté du rhum. Ah, soyez béni. Si l'alcool doit me coûter la vie, il en vaut bien la peine. Vous êtes pêcheur? J'ai perdu mon bateau à cause de ces satanées tempêtes. Il me reste plus rien. Patty m'a fait une fleur. Elle accepte de tout mettre sur mon ardoise en attendant. Je cherche un acquéreur pour une poissonnerie. Quoi, celui de Salty? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous ne pensez pas que c'est le travail idéal pour un pêcheur? J'attrape du poisson, moi, j'en vends pas. Et Patty, elle aussi est importante pour Horizon 2, donc souvenez-vous bien d'elle, aussi bien du commandant Carlos que de Patty. Eh bien, en voici un qui semble avoir besoin d'un bon verre. Buvez vite cette bière, avant que votre corps ne réponde plus de rien. Merci. Elle est excellente. Vous n'êtes pas un peu jeune pour tenir une taverne? Pour être honnête, je ne me serais jamais retrouvée derrière ce bar si les blancs mantels n'avaient pas bouclé la ville. Mais bon, je suis toujours mieux ici qu'au Tréfonds. Vous savez, si j'avais pu, ça fait longtemps que j'aurais mis les voiles.
Pourquoi voulez-vous à ce point quitter la ville? Je cherche à récupérer quelque chose. Quelque chose qui a pour moi une grande valeur. Quoi? Vous savez garder un secret? Bien sûr. Ah oh bah tiens, moi aussi! Vous avez piqué ma curiosité au vif. Alors dites-moi ce que vous cherchez. Bah quand vous avez une idée en tête, vous l'avez pas ailleurs, vous, hein? Pour tout vous dire, ce que je cherche ne s'achète pas. Il s'agit de mon père. Vraiment? Il s'appelle Grégoire, c'est... C'est un marin. J'ai entendu dire qu'il était ici, c'est pour ça que je suis venue en ville. Et il se trouve que le propriétaire de cette taverne a été tué lors du premier assaut des créatures. Comme j'étais coincée ici, j'ai repris le flambeau. Mais je n'ai cependant trouvé aucune trace de mon père. J'imagine qu'il doit être à l'extérieur de la ville. Je vous aiderai à retrouver votre père, Grégoire. Et qu'est-ce que ça vous apporterait de faire ça? Désolée, j'ai pas l'habitude qu'on propose de m'aider comme ça. Si vous trouvez quoi que ce soit, je vous en serai reconnaissante. Peut-être connaissez-vous le capitaine Romanov? J'ai entendu dire qu'il était venu ici avec son chaland et qu'il est quelque part sur cette île. Tout comme mon père, Romanov est un vieux loup de mer. Leurs routes se sont souvent croisées. J'imagine qu'il doit avoir des informations sur l'endroit où mon père peut se trouver. Comment comptez-vous sortir de la ville? Je n'en ai absolument aucune idée. Il paraît qu'il existe une sorte de passage secret vers l'extérieur, en plus des deux portes principales. Par contre, je ne sais pas si c'est vrai. On entend tellement de rumeurs infondées par ici. Je vous aiderai à trouver un moyen de quitter la ville. Croyez-moi, j'ai déjà entendu ce discours des dizaines de fois. J'attends toujours. Mais bon, encore une fois, il faut croire que c'était tous de sales vauriens. Enfin, on ne sait jamais. Peut-être êtes-vous différents. Si vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, vous pouvez quand même venir vous payer une bière et vous rincer le gosier. Que raconte-t-on exactement sur ce passage secret? Tout ce que je sais, c'est que les artefacts ont tendance à disparaître ces temps-ci. Quelqu'un s'arrange pour les faire passer à l'extérieur, sûrement à destination du Don. L'Inquisition refuse de laisser les navires quitter le port et garde les deux portes principales. Ces contrebandiers doivent avoir trouvé un troisième point de passage que ces fichus blancs-mantels ne connaissent pas. Je vois. Vous connaissez certains de ces contrebandiers? Je suis sûre qu'il s'agit des hommes du Don. Dès que quelque chose disparaît ici, c'est souvent eux qui en sont la cause. Et comme on n'a aucune nouvelle du continent, les gens se mettent à revendre le moindre objet qu'ils arrivent à récupérer. Mais bon, peut-être qu'il ne s'agit là encore qu'un tas de rumeurs. Vous devez bien connaître quelqu'un qui revend des artefacts. Allez donc voir le gars là-bas. Il s'appelle Dittar. Ça fait plusieurs jours qu'il essaie de refourguer sa marchandise exceptionnelle. Ses affaires n'ont pas l'air de marcher fort. Pauvre gars. C'est un cinglé, je vous dis. Hé, ça vous intéresse de vous procurer quelques artefacts de grande valeur? Qui êtes-vous? Bon, ça vous intéresse ou non? Vous êtes l'un des triplés, c'est ça? Vous connaissez mes frères? J'ai rencontré l'un d'eux. Où avez-vous trouvé cet artefact? Je l'ai plus ou moins récupéré par hasard. Il paraîtrait que ça vient des ruines. Ça a l'air d'avoir de la valeur, en tout cas. Votre frère, Olf, est retenu prisonnier par l'Ordre. Il finira par s'échapper. D'après ce qu'on dit, peu parviennent à échapper à l'Ordre. Quel est cet artefact? Une coupe d'or. Une espèce de calice recouvert d'or. Je vous la laisse pour 150 pièces d'or. Je vais y réfléchir. Voici votre or. Donnez-moi donc cette coupe. Tenez, mais dites à personne où vous l'avez eue. Cet endroit est dans un état... C'était pas humain. J'entendrai bien son continent. Enfin... Plus encore. Le ciel est là-haut, ou ici-bas. Je lâche. Je suis occupé. Ok, d'accord. Allez demander à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, c'est cool, par contre. Ça, c'est m'inquiète. Personne ne veut écouter ce que j'ai à dire. Quatre gens vous disent quoi faire sans vous dire quoi faire quand on a fini. Ok.
Rien à craindre, Kilis. Pas de quoi se biler. Vivre sur une île avec des tempêtes magiques et tout au milieu, c'est vrai, pourquoi s'en faire? Une seule explication, Cole il vit dans l'auberge là-haut. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais vous poser la même question. Moi je dors ici, j'espère que ça vous pose pas de problème mon gars. Quel est votre rôle ici? Je bosse pour le poissonnier. Ah oui, vraiment? Non, c'est vrai, je récupère du poisson et je le vends. Vous n'avez pas l'air bien débordé. Qui dit tempête dit pas de poisson, sans parler des gens qui ont plus un rond à dépenser. Si je dors ici, je vous conseille de rien me shipper. Faites-moi confiance, mon gars, c'est pas du tout mon genre. N'y pensez même pas. Vous aurez affaire à moi. Je vous connais pas, mon gars, mais je peux vous assurer que vous craignez rien ici. De la planète. Vous semblez avoir faim, mais si vous voulez de la viande, il vous faudra d'abord trouver de l'argent. Et si vous n'avez pas les moyens, Maître Belgevure distribue du ragoût aux pauvres. Vous n'avez toutefois pas l'air pauvre à ce point. Quel est votre rôle ici? Je monte la garde devant l'abattoir. C'est loin d'être un boulot en or, mais lorsqu'on décide de changer de camp et de quitter le Don pour rejoindre l'Inquisition, il faut se faire à l'idée que la confiance est quelque chose qui se mérite. Je suis donc posté ici à protéger de la viande. Ceci dit, il faut bien dire que sa valeur a pas mal augmenté depuis que l'arrivée des tempêtes a entraîné une pénurie de poissons. Les gens seraient prêts à voler de la viande comme ils voleraient des artefacts. Y a-t-il eu beaucoup d'effractions? Trop, malheureusement. 3 maisons ont été cambriolées récemment. Et qu'est-ce qui a été fait contre ça? Pas grand-chose, à part se montrer encore plus vigilant et surveiller les fauteurs de troubles habituels. Je suis toutefois sûr et certain que Cid est dans le coup. Qu'est-ce qui vous fait croire que Cid est mêlé à ces cambriolages? Il se prend pour le caïd ici. Il aime bien faire des histoires. Mais pourquoi êtes-vous sûr et certain qu'il est dans le coup? Eh bien, il suffit de regarder sa grognasse et la façon dont elle parade pour savoir que rien de tout ça n'est bien honnête. Comment le connaissez-vous? Je faisais partie des hommes du Don auparavant. C'est pas quelque chose dont je suis très fier. Mais c'est un homme qui a beaucoup de charisme et qui sait se montrer très persuasif. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'en avait rien à faire de l'avenir de l'île. Tout ce qui l'intéresse, c'est son petit profit personnel. Je me bats désormais aux côtés de l'inquisiteur Mendoza. Qu'avez-vous l'intention de faire? Si je parviens à prouver que Cid est responsable de ces cambriolages, je pourrais peut-être gagner la confiance de l'ordre et améliorer un peu mes conditions de vie. Je doute toutefois que quiconque accepte de me parler. Les hommes du Don me considèrent comme un traître et l'Inquisition ne me fait pas totalement confiance. J'ai donc besoin de quelqu'un qui n'est pas mon passif. Qu'en dites-vous? Vous donneriez un sacré coup de main à cette ville si vous mettiez fin à cette vague de cambriolage. Je saurai vous récompenser de votre aide. Combien puis-je espérer? 150 pièces d'or, ça vous va? Très bien. Je vais essayer d'en savoir plus sur tous ces cambriolages. Parfait, mais faites attention, ce ne sera pas une tâche facile. Cid est très rusé, ce sera difficile de l'incriminer. On dirait qu'il sait toujours où trouver des objets de valeur. Vous voulez dire qu'il avait repéré les lieux à l'avance? Ce n'est pas parce que c'est un voleur qu'il est pour autant stupide. Il a certainement envoyé quelqu'un le faire à sa place. Si vous parvenez à identifier son espion, ce sera déjà un bon début. Quelles maisons ont été cambriolées? Celle de Nelson, le cartographe, Flavio, le marchand de fourrure, et Baxter, le comptable. Vous devriez leur parler à tous les trois. Vous découvrirez sûrement des indices qui nous permettront de confondre Cid. Où puis-je trouver Flavio, le marchand de fourrure? Dans les tréfonds. Sa maison se trouve juste à côté de l'hôtel de la Sainte Flamme. Baxter, le comptable. À côté de l'échoppe du boucher. Il s'occupe des comptes de la boutique. Nelson, le cartographe. Sa hutte se trouve sur la route des tréfonds,
Montez juste les marches qui mènent au port. Si vous cherchez votre vache, vous pouvez directement embrousser chemin. Les seules vaches qu'on a ici ont déjà été découpées en morceaux de choix et ils appartiennent à l'ordre. Pourquoi voulez-vous que je cherche une vache ? Ces fichus fermiers n'arrêtent pas de venir ici réclamer leurs vaches. Où est passée Marguerite ? Je retrouve plus Noiraude. Une vraie plaie. Pourquoi donc ? Ils débarquent ici et m'accusent d'avoir pris leurs vaches. Moi, je fais que découper ce qu'on pose sur mon bio. L'ordre me dit d'abattre son bétail et moi, je fais mon boulot. Mo vous dira la même chose. Bon ? Mon assistant, lui aussi, fait que son boulot. Si votre vache préférée manque à l'appel, adressez-vous à l'ordre. On dirait que vous avez pas mal de travail. Cet abattoir est une vraie mine d'or. Mais bon, tout ce que ça rapporte est destiné à l'ordre. Toute cette viande sert à nourrir la populace. C'est Baxter, à côté, qui s'occupe de mes comptes. Il me donne ma part et envoie le reste à l'ordre. Avec eux, au moins, tout est réglé comme du papier à musique. Je peux vous acheter de la viande ? Achetez tout ce que vous voudrez, tant que vous avez de quoi payer. J'ai de la viande à la pièce et des saucisses. Je cherche un certain Baxter. Il est dans l'office. C'est le bâtiment d'à côté. Parlons affaires. Ça va, l'ami ? Qui êtes-vous ? Mo ! Je travaille pour Dargel. J'assure les livraisons de viande. Je vois. Vous n'avez pas un travail facile. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout qu'en plus de ça, c'est moi qui retire les abats, nettoie la boucherie, fais fondre les graisses et vais chercher le bétail. Si vous n'avez rien de spécial à me demander, je vais vous laisser. J'ai encore beaucoup à faire. Dargel m'a parlé des fermiers qui n'arrêtent pas de venir ici. Ouais. Ouais, ils font tout un foin quand ils viennent. Mais que voulez-vous que je fasse ? On a reçu pour ordre d'abattre ces vaches. En général, j'essaie de rester à l'écart de tout ça. J'ai besoin de quelques pots. Bonne chance de chance ! Tenez, je vous les donne. Gratuitement. Elles sont en mauvais état. Non, oh, vous me rendrez service, en fait, ça me débarrasse. Elles sont à Baxter, n'est-ce pas ? Vous les avez volées ? Ah ! Et vous allez les lui rendre ? Tout est bien qui finit bien. Un moment. Si j'en prends 3 à 25 et 18 jambons, ça fait... Je n'arrive pas à me concentrer quand vous me regardez. Vous faites vos comptes. Je tiens ceux de la boucherie. C'est un vrai talent. Vous croyez que le calcul c'est facile ? On ne peut pas dire qu'ils aient inventé le boulier dans le coin. Moi, oui. Vraiment ? Vous voulez me mettre à l'épreuve ? Oui. Combien font 14 que multiplie 17 ? Calcul fois 17 ? 14 fois 17 ? Ok, bougez pas. Ok, ça y est, j'ai trouvé, c'est 238. 238. Très bien. N'oubliez pas, la plume est plus forte que l'épée. Concernant le cambriolage, que vous a-t-on volé ? Que voulez-vous qu'on me vole ? De l'or, bien sûr ! L'or appartient à l'ordre. Et maintenant, il a disparu. Combien vous a-t-on volé ? Tout ! Je ne sais pas combien exactement. Je m'apprêtais à faire les comptes quand je me suis rendu compte du larcin. Qui se trouvait dans la maison le jour du cambriolage ? Eh bien... Doyle a essayé de me vendre du poisson. Comme je n'aime pas le poisson, il est parti. Ce gros balourd de Vassili a apporté la bière que j'ai payée. Je lui en ai donné quelques bouts de viande. Et bien sûr, Mo est venu à plusieurs reprises, mais c'est normal, après tout, il travaille ici. Je suis ici pour l'accord avec Flavio. Flavio ? Dites-lui que je n'ai toujours pas la marchandise. 5 pots de loup et 5 pots de sanglier, ni plus ni moins. Et la livraison ne se fera qu'une fois complète. Vous ne savez pas faire un calcul. J'ai gagné 219 pièces d'or, mais il faut que je fasse 3 parts pour 3 personnes. Alors, voyons voir, ça doit faire...
70... 73 chacun. Oui, si c'est 219, 219 divisé par 3, ça fait bien 73, oui. Vous savez compter, vous. J'ai encore besoin de peau. Alors allez les chercher. Pas de peau, pas d'accord. Le calcul est simple. Vous n'auriez pas quelques informations sur les récents cambriolages qui ont eu lieu à Port-Faranga ? Vous pensez que parce que je livre de la viande un peu partout en ville, je pourrais être mêlé à ces cambriolages ? Oh, je n'ai que faire de ces babioles de valeur. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la musique, la bière, éviter les ennuis. Quel tableau idyllique. On vous a vu dans une maison qui a été cambriolée. Je livre de la bière dans des tas de maisons. On me voit un peu partout. C'est pas faux. Patty cherche son père. Trouvez-moi quelqu'un qui ne cherche pas le capitaine Grégoire Barbe d'Acier. Je vous dis ce que je dis à tout le monde. Il était ici il y a bien longtemps. Mais où il se trouve maintenant, j'en sais rien. Grégoire a été capitaine. Le plus célèbre que je n'ai jamais connu, même. Je m'étonne que vous n'en ayez jamais entendu parler. Si j'étais vous, j'éviterais de poser trop de questions. Vous n'êtes pas moi. Je sais pas ce que Patty vous a raconté, mais elle est la fille d'un des pirates les plus sanguinaires de la région. Et nombre sont ceux qui vous couperaient la gorge s'ils soupçonnaient que vous savez quoi que ce soit le concernant. Que savez-vous d'autre sur Barbe d'Acier ? Des rumeurs uniquement. D'après Erickson, Barbe d'Acier aurait une planque en ville. Mais j'en crois rien. S'il savait vraiment où trouver la planque de Barbe d'Acier, il y a belle lurette qui l'aurait pillée. Et à l'heure actuelle, il serait loin. Au lieu de quoi, il passe son temps au bordel de Sonia. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Erickson s'intéresse à la planque de Barbe d'Acier ? La maison d'un célèbre capitaine pirate qui a écumé les mers et amassé des richesses inimaginables. Montrez-moi quelqu'un qu'une telle maison n'intéresserait pas. J'ai parlé à Rodriguez. Il pense que vous êtes derrière les cambriolages. Je ne sais pas pourquoi, mais il veut me faire boucler. Il me déteste depuis toujours. Rodriguez pense que vous vous servez d'un espion pour repérer les maisons à cambrioler. Hein ? C'est le cas ? Bien sûr. Bien obligé. Qui est-ce ? Trouve-le par toi-même. Si tu trouves l'espion, viens me voir avant, Rodriguez. Après tout, il n'y a aucune raison pour que l'un de nous s'attire des noises. Quoi s'agit-il ? Il se trouve qu'on vous a vu dans une maison qui a été cambriolée. Je colporte mon poisson de maison en maison. Je passe pas mal de temps chez les gens. C'est ça, oui.